bienvenue à Kira Paris. C'est bientôt la fête des mères, donc on vous a préparé une vidéo qui s'appelle les phrases typiques des mamans. C'est un sketch, ça veut pas dire que toutes les mamans sont comme ça, c'est pour rigoler et on se prend pas la tête. N'oubliez pas de vous abonner, liker et d'activer la petite cloche de notification. Et vous êtes prêts pour faire le check? Dans 3, 2, 1, tac, tac. Hey, let's go, c'est parti. Attendez, je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans. Spécialement à la mienne. Merci. De rien. On commence. T'as vu l'heure? Oui, je suis une heure en retard, mais c'est pas grave. Comment ça c'est pas grave? Tu dois respecter les règles de la maison. Tu feras ce que tu voudras quand tu auras ta propre maison. Et même là, je serai à ses côtés parce qu'elle sera toujours mon bébé. Quoi? Pardon? J'ai pas entendu maman. Non, rien du tout. Avec le portable. Mais je viens tout juste de le prendre, maman. Toujours la même excuse. Là, c'est pareil. On va sortir, on va prendre de l'air. Bien, suis-moi. Oh là là. Tu as encore laissé la lumière allumée dans la cuisine. C'est pas bien ça ici, hein? Yep. Ça se voit, hein? À table, ma chérie. Bon, c'est bon, j'en ai marre, tu fais toujours la même chose. Je compte jusqu'à 3 et si tu ne viens pas, tu es puni. 1, 2, 2 et quart, 2 et demi, 2 et 3 quarts. Ça va? Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Je te connais, il y a quelque chose, donc raconte-moi. En fait, c'est juste... Laisse tomber. Mais tu sais que tu peux me faire confiance alors. Je suis pas seulement ta mère, je suis aussi ta copine. J'en ai marre! Hé, tu me parles pas comme ça, hein. Je suis ta mère, pas ta copine. Maman, tu peux passer les selles? C'est quoi le mot magique? Wingardium Leviosa. Espero patronum? Action? Mais non, c'est Lumos. What? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? On a vu trop de films d'Harry Potter dernièrement, hein? Je voulais dire, c'est s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, ok. Bon, maman, tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Très bien, ma chérie. Maintenant, t'es une fille bien élevée. Non, mais c'est pas possible, hein. C'est pas la façon de se comporter à l'extérieur. Tu
Tu vas voir comment je vais te punir. Tu vas voir. Hein. Allô? Oh, salut, ça va? Oui, moi je vais très bien. Ah, je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Ah oui, sérieusement? Oh, waouh! Chérie, viens, je suis en train de regarder notre série préférée. Tu n'étais pas punie ou j'allais te punir? Oh, regarde, à la fin il n'était pas mort. Il est vivant! Oh, oh oui! Comment il a fait pour s'échapper? Oh. Ferme ta bouche, tu vas gober les mouches! Hein? D'accord! Voilà, très bien! C'est important de ne pas laisser sa bouche ouverte parce que sinon. Oh non, ne me dis pas que c'est une... une mouche. Tiens maman. Yo. Voilà, t'as vu? C'est pour ça qu'il faut pas laisser sa bouche ouverte. Oui, je vois. Alors, c'est bon? Ouais, je pense que j'ai tout. Oui. T'as fait pipi? J'ai pas envie. Non. C'est 5 heures de route et nous sommes pressés. Donc, va faire pipi. Bon, d'accord. Bon alors, c'est bon? Bah, je t'avais dit que j'avais pas envie, j'ai rien fait. Même pas une goutte? Oui, même pas une goutte. Tiens, bois de l'eau, peut-être avec ça tu vas réussir. Mais maman, quelle obsession! Ma chérie, tu m'aimes? Ouais. Oh. Oui maman, je t'aime de tout mon cœur. Oh, c'est vrai, moi aussi je t'aime de tout mon cœur. C'est le moment de la dédicace, c'est les personnes sont Israël, Alam, Rachel et Antar. Merci pour regarder mes vidéos et partager. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Mouah.